Bonsoir Sylvia, ravie de vous retrouver. Et la chanson arabe perd donc l'une de ses icônes. Figure très connue, bien au-delà des frontières de son pays natal, le Liban, Saba est décédé à 87 ans. Le chef druze Walid Jumblatt a par exemple tweeté ce message. Avec la disparition de cette icône de la chanson, une belle page de l'histoire du Liban est tournée, a-t-il regretté. Alors Saba se lance très jeune dans la chanson. Dès 1940, elle entame ainsi une longue carrière, plus de 3000 chansons, une cinquantaine d'albums. En parallèle, elle mène également une carrière fructueuse au cinéma, essentiellement en Égypte, où elle tourne près de 100 films. Sa vie sentimentale agitée a également beaucoup fait parler. Elle a été mariée 9 fois et puis également peut-être son refus de la vieillesse. Les funérailles de Saba Mohamed auront lieu dimanche dans le centre de Beyrouth. Le cinéma, vous en parliez, alors un documentaire qui est consacré maintenant au plasticien Hans Rüdiger. Il est sorti aujourd'hui en salle en Suisse romande. Hein. Dark Star, l'univers de H.R. Giger. Hans Rüdiger est surtout connu pour être le père de la créature du film Alien, oscarisé pour les effets spéciaux. Mais l'œuvre de cet artiste suisse est beaucoup plus riche. Sculptures, affiches, tableaux, pochettes de disques. Durant 95 minutes, le documentaire de Belinda Saline nous plonge dans son intimité. À la fin de sa vie, il est décédé il y a 6 mois, quelques jours après la fin du tournage. Entre ombre et lumière, la caméra le suit chez lui et dans son musée de Gruyère. Un homme aimable, pas macabre, un homme diminué, mais lucide. On connaît, Sylvia, le film suisse qui représentera la Confédération helvétique aux Oscars aux États-Unis. Il s'agit du film Der Kreis. Alors disons, en cours peut-être pour être nominé. Deux distinctions au Festival de Berlin. Le long-métrage alémanique de Stefan Haupt vient de sortir sur les écrans. Der Kreis, vous le disiez, raconte l'histoire d'une organisation clandestine zurichoise qui défendait les droits des homosexuels. Au début des années 40, la Suisse dépénalise l'homosexualité. Une scène se développe autour de la revue Der Kreis, le cercle en français. Mais à la fin des années 50, fin de la tolérance, la police s'en mêle, le cercle sera dissous en 67. On regarde un extrait de la bande-annonce. Verbotene Hefte nach Deutschland schmuggeln. Wem sollte das das Leben retten? Homosexualität ist in unserem Land nicht strafbar. Nein, aber registrierbar. Alles hat auch so eine Brüchung werden. Sie wollen also Lehrer werden. Junge Sie sind gar noch nicht gewählt. Der Kreis ist mein Zuhause und das machst du mir nicht kaputt. Alors, cette fiction raconte également une histoire d'amour, une vraie histoire d'amour, celle de deux hommes dans la Zurich des années 50. Ernst Ostertag et Ruby Rapp sont toujours ensemble. Ils sont même les premiers à s'être paxés en 2003 à Zurich. Ils sont aujourd'hui âgés de 84 ans. Nos confrères de la RTS les ont rencontrés. C'est jung, là. Je weiß nicht, zu wem ich gehöre. Einfach wunderbar und merveilleux. Je n'y croyais pas. Mon cœur battait. Une telle chose existait vraiment. Une revue aura jusqu'à 2000 abonnés, dont un quart à l'étranger. Ungefähr ein Viertel im Ausland. Wir sind kein Verbrecher. C'était Demander le programme. Merci Sylvia. Merci Mohamed. À très vite pour un nouveau journal de la culture.